tous et à toutes, on se retrouve pour une petite vidéo de la présentation de ma team. Donc là on voit que c'est un rediffusé, enfin j'avais déjà filmé ça. Donc là je venais de battre le compte, de rebattre le compte parce que je l'avais déjà battu il y a un moment. Donc ça m'a pas apporté grand chose puisque les succès je les avais déjà verrouillés. Et là je vais vous montrer ma team. Donc là mon SRAM avec une panneau Fuji classique, Terre-Air quoi. Et il a pas d'offusque KOET puisqu'il a été volé et ça coûte beaucoup trop cher cette connerie maintenant. Sinon une petite dinde armure parce que mes dindes n'ont pas été volées. Je rappelle que quand je parle de vol, c'est je parle de mon hack. Donc là ça avance un peu vite. Donc là on passe au stuff du panda. Panda j'ai pris un stuff haut qui a un gros problème, c'est qu'il a pas du tout de résistance. Mais bon, c'est plus pas ma priorité de changer ça, je peux gérer les donjons. Et là cette vidéo a été tournée il y a un moment. Donc récemment j'ai fait un peu mieux et avec les mêmes stuff, donc vraiment cette team ça suffit pour faire à peu près tout sur Free Ghost 3. Donc là j'ai joué un team de 8, je l'ai pas précisé. Donc là ça passe à Negami, mon Zobal, donc il est en Fuji. Donc là il joue en 3ème position, bah, la Fuji ça donne beaucoup d'initiative. Avec la hache, une hache que j'ai acheté, ça m'a coûté cher ça par contre parce que c'est un objet compte. L'avantage de cette panoplie c'est que il tape dans deux éléments très fort et c'est pas très cher. Tous les stuff que j'ai acheté sont pas très chers. Mais quand même, il y a certaines panoplies qui m'ont coûté assez cher, mais chaque élément n'est pas très cher. Et c'est pour ça que je les ai achetés d'ailleurs. Mais les trophées ont été très chers par contre. Là, ça passe au Sacrieur, c'est encore un perso Terre-Air. Donc je crois que je les ai mis par ordre d'initiative, mes personnages. Donc perso Terre-Air, j'aime beaucoup parce que ça coûte pas très cher la Fuji et c'est efficace. Surtout avec la KPM, on peut mettre des MG Rocks, c'est assez sympa. Donc là, je les ai un petit peu FM, mais les FM sont un peu dégueulasses. Tout simplement parce que j'avais pas assez de runes et j'avais pas assez de sous pour me payer les runes. Donc je rappelle que je suis endetté de 70 millions pour avoir repris. Et même de plus, enfin j'ai été endetté aussi, je suis endetté aussi en nature. Donc je suis pas mal endetté. Là ça passe au Fekka. Fekka full terre parce que son stuff n'a pas été volé. Et donc c'est le seul stuff d'avant qui me reste. Et ce stuff est vachement bien. Enfin full terre ça tape très fort sur un Fekka. Mais enfin bon. J'ai d'autres projets pour les nouveaux stuff. Mais pour ça il faut que je fasse versatile compte et statue compte. Et là je pourrais faire ce que je veux. Donc sinon j'ai capturé beaucoup de... Donc là ça passe au Xelor, ça avance vite, désolé j'ai pas le temps de parler. Il est en panoplie pas de grève, donc avec un 1 sur 2 CC assez facilement obtenu. Il a toujours son defuse des glaces parce qu'il était caché en banque en fait. Et comme j'étais au moment du hack et j'étais coincé dans l'île, donc je pouvais pas voir que je l'avais. C'est pour ça que je croyais qu'il avait été détruit, mais en fait non. Donc voilà. Et ce que je disais, c'est que pour me faire des camas, en ce moment, je fais surtout des farms sinistrofou dans la tour Kleps, ou sinon, parce que ça rapporte beaucoup, ou d'autres mobs, hein, y a pas que les sinistrofou qui rapportent. Et sinon, j'ai capturé tous les prisonniers. Là, le compte à rebours, vous pouvez voir, j'avais pas capturé avant, c'était un peu bête de ma part. Donc là, c'est mon Yop, full terre, en 12 PA, assez facilement obtenu grâce à deux items XA. Donc. Là il n'a pas de cac du coup, mais c'est pas très grave, parce qu'un Yop avec les sorts se débrouille très bien. Donc là ça passe à Lenny c'est un copier-coller du Xelor. Ça rapporte pas mal de soins, d'agile, d'intel, c'est si sympa. Et il y a le 1 sur 2C, c'est gratuit aussi. Aussi je l'avais pas dit, mais il y a aussi le seul tutu qu'il me restait d'avant le hack, je l'ai mis sur le Yop forcément, parce que c'est le personnage qui va faire le plus de dommages. Donc la team est assez équilibrée en éléments, même s'il y a un petit manque en eau, mais il y a toujours un manque en eau de toute façon. Bon là je crois que c'est ça a fini parce que je crois que ça a fait le tour des personnages. Je le refais passer en boucle, mais si vous voulez, comme ça si vous le regardez, mais c'est juste pour continuer à parler. Donc là je compte regagner des camas pour rembourser mes dettes et passer en stuff Rigos 3 comme je l'ai dit avec les deux challenges au compte. C'est les deux challenges, statue et versatile, correspondent à des succès, je rappelle. Et donc, voilà, je me demande si j'ai pas d'autres choses à dire. Non, a priori, non. Je fais le tour des donjons aussi, en général. Donc là, je galère un peu niveau Kama, parce que 8 millions de Kama la semaine,
pour abonner ces 10 000 persos, ça coûte très cher. Donc désolé, je suis un petit peu pris par ça du coup en ce moment. J'ai pas trop le temps de faire des vidéos parce que je dois m'occuper de les gamas, je suis un petit peu à la dèche. Mais bon, j'espère que je vais réussir à rembourser vite cette dette de 70 millions. Enfin, j'ai une dette de 50 millions, une dette de 20 millions, plus une dette en nature. Donc voilà, j'espère que je vais rembourser vite ces dettes et que je vais avoir plus de temps pour vous faire des vidéos. Donc si vous avez, d'ailleurs si vous voulez vous proposer des dons, j'ai eu quelques demandes en quelque sorte, parce que j'accepte forcément. N'hésitez pas si vous voulez faire des dons, parce que là il y en a besoin quoi, surtout pour les abonnements. Allez, voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo de présentation de stuff au moment où j'ai repassé le compte. Et voilà, à la prochaine!